Bien sûr, cette salope de Lenny. Citoyen du monde, veuillez m'accorder votre attention de crétin décérébré. Tête sec, tête sec. Ce n'est qu'un énorme tag loser bon à spammer vos flux RSS. Ils prétendent être les garants de votre libre arbitre, alors qu'ils ne sont qu'une bande de bidouilleurs qui fait n'importe quoi pour un peu de popularité. Mais c'est fini tout ça. Moi, je vais leur donner une bonne leçon. Et vous, Deadsec, si vous pensiez que je ne peux pas... détruire votre système. Eh bien, dans ce cas, vous me connaissez mal. Et je vais squatter un peu pour corriger ça. Dis-moi que c'est juste Kiki. Ouais, c'est juste Kiki. On fait le ménage dans les félins pendant que Josh essaie de trouver la clé de pétage. Oh, ta gueule, putain! Ok, bon, je pense qu'on peut leur déclarer la guerre, là. Ouais, on va pas laisser ces trolls nous traîner dans leurs égouts. Deadsec rend coup pour coup. Et après? Ça fera quoi d'être en guerre avec eux? Ça enlèvera pas l'avantage qu'ils ont pris sur nous? Ça changera rien? Ils ont pu entrer! Vas-y, on s'en bat les couilles. Hé, hey, écoutez. On va pas laisser Primate nous enterrer. Faut qu'on gère ça bien. Ok. Primate vend des exploits zéro day à quiconque peut se les payer. Ouais, ça veut dire gouvernement, Bloom, Noodle, jusqu'à des groupes terroristes. Et les Sons of Ragnarok. Quoi? Mais ouais, les Sons of Ragnarok. On sait que Primate bosse régulièrement pour eux, non? Alors on se démerde pour en savoir un maximum sur leurs membres et leurs opérations. Chez Deadsec, on se couche pas, devant personne. Yo Josh, tu te réveilles ou quoi? D'accord, c'est la guerre. Vas-y, pousse-toi. Je vais faire passer le message sur nos canaux. C'est obligé qu'ils aient des ennemis susceptibles de nous filer des infos. On va bouillaver leur grand-mère.